Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à l'apéro pour cette nouvelle vidéo information autour de Destiny 2. Hop, je fais entrer, comme ça c'est pas le bon truc. Crac, je fais entrer. Et on va parler de cette vidéo information tout de suite. Pourquoi vidéo information? Parce que le jeu passe en essai gratuit aujourd'hui à partir de 19h. Ce qui veut dire qu'à partir de 19h, vous pourrez télécharger une version allégée du jeu, une espèce de démo. Vous allez voir que c'est pas qu'une démo. Je vais m'expliquer ensuite pourquoi. Donc version allégée entièrement gratuite en termes de démonstration du jeu et donc cette version vraiment d'essai pour vous donner envie d'acheter le jeu, vraiment. Hein. C'est pour ça que je dis démo, pas vraiment. Vraiment, version d'essai, c'est vraiment le bon terme. Donc voilà, une version d'essai du jeu qui sera disponible à 19h, donc sur toutes les plateformes, console, PC. Moi je vais me tourner surtout vers la version PC parce que c'est la version que je connais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette version allégée? Il y a 9 missions d'histoire. Ce qui veut dire que vous pourrez monter à peu près au niveau jusqu'au niveau 7. En termes de puissance de niveau. Vous voyez que je suis niveau 20, bon j'ai une puissance de 298, c'est pas important. Vous voyez que j'ai pas montré réussi à monter, mais bon c'est la semaine, la nouvelle semaine, je vais peut-être pouvoir monter un petit peu mes personnages un peu plus haut. Fin de la saison 1 est proche en plus, voilà, donc bon, autre chose, ça n'a aucun rapport avec la saison 1. Version d'essai donc qui permettra aussi de participer donc au fur et à mesure des missions à différents événements, différentes quêtes annexes sur la totalité des planètes disponibles dans le jeu. Vous verrez qu'au fur et à mesure des missions, vous débloquerez certaines planètes. Voilà. Donc accès donc jusqu'au niveau 7. Toutes les planètes. Mission principale comme mission annexe. Activité multijoueur. Possibilité de jouer à plusieurs. Donc voilà, à partir de 19h, vous aurez accès à une grosse partie quand même du jeu, enfin une grosse partie du jeu, à une grosse partie des fonctionnalités du jeu, pas une grosse partie du jeu, mais plutôt une bonne partie des fonctionnalités du jeu, qui ont besoin d'avoir un aperçu en fait simplement de ce qu'est le jeu réellement. Donc, pour ensuite revenir sur la version PC, je vous rappelle qu'il vous faut un compte Battle.net, donc de chez Blizzard, pour pouvoir jouer au jeu, une fois que, excusez-moi, j'ai un peu la voix qui part en couille aujourd'hui. Un compte Blizzard Battle.net pour pouvoir jouer au jeu. Et surtout, avoir relié votre compte à votre compte Bungie.net. Vous allez sur Bungie.net, vous créez un compte que vous liez à votre Battle.net. Donc, step 1, phase 1, créez un compte Battle.net si vous n'en avez pas. Phase 2, allez sur Bungie.net, liez votre compte Battle.net à ce compte Bungie. Ou créez-le, je crois que vous pouvez le créer en symbiose avec les deux. Vous savez, quand vous le demandez à le créer, je crois que vous pouvez aussi demander d'utiliser aussi ce compte-là de chez Battle.net. Une fois que ça c'est fait, vous avez lié les deux comptes, vous pouvez vous rendre sur le Battle.net, vous savez, la petite application de Blizzard pour ses différents jeux, donc que ce soit World of Warcraft, Starcraft, Hearthstone ou n'importe quoi. Vous allez dessus, vous permettez de télécharger la chose si c'est pas fait, et surtout vous allez tout en bas dans la section Destiny 2 et vous pourrez télécharger le jeu, en tout cas une version du jeu classique. Pour la petite information aussi, il me semble que le jeu est à 37€ actuellement au lieu de 48 chez Gamespace.com, donc mon partenaire que vous pouvez retrouver donc dans la bannière de la chaîne. Je vous mettrai le lien pardon dans le descriptif de l'épisode, donc voilà, enfin de la vidéo, voilà les différentes choses. Donc version d'essai, toute plateforme disponible dès 19h jusqu'au niveau 7. Toutes les planètes seront disponibles au fur et à mesure de l'histoire, vu que vous aurez accès à 9 missions de l'histoire, plusieurs quêtes annexes, plusieurs donc activités multijoueurs, que ce soit PvE ou PvP, je pense. Donc un gros aperçu du jeu et bien sûr une optique pour Bungie et pour les développeurs, c'est de vous faire acheter le jeu. Le jeu est très très bon, honnêtement, jusque là le jeu est très très bon. Nouveau DLC pardon, le 8 décembre, qui apparemment va vraiment, enfin nous on estime qu'il va vraiment élargir le jeu bien plus que ne l'a fait le jeu de base, pour entre guillemets garder l'optique du premier jeu. Bon, c'est une autre discussion, mais voilà, on peut s'attendre à ce que le premier DLC soit aussi gros que le jeu de base, normalement, je pense, selon moi. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, la démo est gratuite et n'hésitez pas à la télécharger. Je vous prépare cette vidéo-là dans la journée. Bon, cette vidéo aura de l'avance sur ce que je poste en ce moment comme vidéo sur Destiny. J'ai encore un petit peu d'avance sur ces vidéos de Destiny, malheureusement. Mais bon, ça viendra. Je vous laisse là pour cette vidéo. Merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et surtout, amusez-vous bien sur Destiny 2, la bêta, enfin la version d'essai gratuite. Parce que c'est vraiment un bon jeu. Même si vous ne comptez pas l'acheter, essayez de le télécharger pour vraiment un petit peu vous amuser dessus. Salut les gens !